Aujourd'hui, nous n'allons toujours pas parler de la dernière tendance à la mode. Non, aujourd'hui, nous continuons de célébrer les 4 ans de Beauté Blog avec un look spécial années 70. Et oui, qu'aurions-nous été si nous avions eu un Beauté Blog dans les années 70, en 1972, 13, bref, les années 70 quoi. Eh bien, nous allons répondre à cette question capillairement parlant. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire ? Un truc très baba cool, soft, hein, c'est-à-dire que le trip disco et tout, je le réserve plutôt pour les années 80. Petit teasing. Et je vais utiliser de quoi faire des petites vagonettes sur toute ma chevelure. Et ouais. Pour commencer, c'est très beaucoup trop classique, je veux dire, on va faire un truc beaucoup plus sobre. Au milieu, ok? Au milieu. Donc déjà, on casse sa première raie. Hop, et puis on fait une raie toute simple. Hein. Voilà, donc raie au milieu, vous inquiétez pas, hein, ça va pas rester comme ça. On va maintenant se faire des vagonettes. Alors, je reprends l'outil de ouf qui vous avait tant plu pour les années 50. Revoici donc, alors j'avais complètement écorché son nom pour la vidéo années 50, je suis complètement désolée. Ça vient toujours de chez Babyliss et ça s'appelle le Easy Wave. Pas Easy Curve, comme j'avais dit, absolument rien à voir. Hein. Donc Easy Wave, et c'est un peu le même principe qu'un appareil à gaufre. Vous allez tout de suite comprendre, vous prenez vos cheveux et puis vous... comme des gaufres. Vous l'avez compris, c'est de faire ça sur toute la chevelure. Après, on va un petit peu styliser le truc, mais vous avez compris quoi, je fais ça partout, total chevelure. Donc là j'en suis à peu près à la moitié, c'est très bizarre hein, d'avoir un côté lisse et un côté bouclé. Ça fait très mal aux doigts, hein, je vous préviens, c'est du sport quand même de faire des ondulations avec Easy Wave. Mais on y arrive, mais musclé du doigt moi. Et voilà, je suis complètement ondulée façon 70s, alors la coiffure ne s'arrête pas là, déjà on met un peu de laque. Ou beaucoup. Bah, disons que ça a pris tellement de temps à faire que ce serait bien que ça se barre pas en 5 minutes. Et ensuite, les 70s, c'est surtout l'art d'accessoiriser. Alors, petit handband, tranquillement. Voilà. Bon, alors, on le met pas en mode classe, hein. On le met en mode 70s, ok? Donc un peu... un peu comme ça, tu vois. Attends, je vois rien. Attends. Je fais n'importe quoi. Tu le mets en l'enfilant et n'oubliez pas de remettre un peu de cheveux par-dessus derrière pour éviter qu'on voit l'élastique noir qui fait pas hyper hyper classe. Vous avez comme ça le petit headband, très mignon. Ensuite vous pouvez mettre, alors ça hippie années 90 on aime, des petites fleurs. Bon alors ça, hop. On va en mettre qu'une, hein, parce que vu qu'on a déjà le... On pourrait essayer d'en mettre deux, d'affilée, vous voyez. Regardez. Deux, c'est pas mal, hein.
Deux fleurs, le petit headband, c'est bon, on est années 70, là je crois que je suis hippie à mort. Et puis pour compléter, des petites boucles d'oreilles, attention, j'y vais comme ça à l'aveugle. Des petites plumes, ça vient de chez Balaboosté, qui est, vous savez, on trouve principalement chez Monoprix. Donc hop. Petit headband, petites ondulations. Et voilà! Et voici donc la coiffure finale! Alors, qu'ai-je donc fait donc? C'était très simple, j'ai pris mon petit Babyliss Easy Wave. J'ai wavé toute la chevelure. Ça a pris 20 minutes, hein, c'est assez long. Si vous n'avez pas le Babyliss Easy Wave, vous pouvez vous faire des tresses. Ça marche aussi, c'est peut-être moins régulier et c'est un peu plus long vu qu'il faut attendre que les tresses sèchent. Mais ça marche! J'ai pris mon petit headband que j'ai mis comme ça, comme un bonnet. Et j'ai juste rabattu mes cheveux par-dessus pour éviter d'avoir l'effet... Tiens, on voit l'élastique noir. Pas très hippie, ça. Hop, deux petites fleurs, petite boucle d'oreille plume, et voilà. Peace, gars. Rendez-vous demain pour le maquillage. Et maintenant, à vous de jouer. Without you, then I'm so blue without you.